bimisi bino na conférence oyo poto kwa kosona biso na bino na mayo etali finca finca bako expliquer biso eza nini esalaka nini to expliquer bino sur ba produit et service ya ya finca comme ça bino boye bako comprendre donc pour que ce qui to sali partenariat entre biso na bino ezala partenariat moko ya kitoko pe ya makasi yango toza na bakonzi oyo toza na bamolelo bautaki na Kinshasa bayeko tala biso pour que to solola biso na bino na oyo etali baservice ya finca. Voilà, nous sommes dans le cadre de l'élargissement de nos activités, dans le support des entrepreneurs. Nous avons essayé de cibler les points centraux et nous avons voulu venir vers le ville où il y a des activités. Et en passant sur la route la nationale numéro 1, les grandes villes que nous rencontrons, il y a Kisanto, il y a Batangungo et les autres villes. C'est comme ça pour apporter notre support à cette communauté assez élargie de Kasamboulou. Nous avons apporté notre choix sur la ville pour apporter nos services. Bon, le message était clair. Dans la plupart des cas, les gens ne savent vraiment pas dans quoi nous évoluons. Et le message est passé de bouche à l'oreille et souvent avec pas beaucoup de fidélité. C'est comme ça que nous sommes venus nous-mêmes pour expliquer aux clients réellement ce que nous sommes et qu'est-ce que nous donnons aux clients réellement. Quel est l'apport réel? Il y a des gens qui ont pensé, surtout à Kasamboulou, que c'est que nous donnons, c'est seulement nous donnons aux, nous payons les fonctionnaires, les retraités et tout. Mais en réalité, nous faisons plus que ça. Nous offrons les crédits, nous avons des produits digitaux. Nous sommes venus en réalité exposer. Mon exposé, c'était de présenter réellement Finca auprès des entrepreneurs qui étaient présents, afin qu'ils aient une idée claire de ce que nous pouvons faire et qu'ils ne fassent pas des idées telles qu'on les raconte sur la route. Mm-hmm. C'était ça un peu le nœud de mon épouse. Voilà. Oui, nous avons choisi Kisanto d'abord. Kisanto a une longue histoire. C'est une grande ville, c'est une ville très commerciale. Il y a beaucoup de Congolais qui sont exclus dans les secteurs bancaires classiques. Et nous, Finca, comme société de microfinance, une société de proximité, nous avons dit que nous ne pouvons pas être loin de cette population. C'est comme ça que nous sommes venus. Nous avons mobilisé nos équipes sur place afin d'être à côté de tous les commerçants de Kisanto, leur offrir les services de microfinance. Oui, si vous voyez là, nous sommes déployés. Moi, je suis le directeur régional de Finca. Et je me suis déployé avec les chefs d'agence de l'UPEM parce que Kisanto sera une ville qui sera rattachée à notre agence de l'UPEM. Si nous sommes déployés, c'est d'abord, si nous sommes venus, c'est d'abord pour nous acquérir de toutes les difficultés. Et entre autres,
ce que vous venez de nous donner comme difficulté. Nous avons parlé avec les clients, nous étions sur terrain, nous avons compris leurs difficultés. Et pour répondre, je dois dire qu'avant, on n'avait pas une équipe sur place. Les gens devaient se déplacer pour venir vers notre agence de Dupin, d'autres pouvaient aller à Matadi. C'est comme ça que, comme solution, nous avons disponibilisé maintenant une équipe sur place qui va travailler avec nos points de Finca Express, les points de vente de nos services, afin que tous ces clients soient servis. Il y a toute une stratégie qui est développée avec nos équipes qui sont sur place, de voir comment rejoindre les différentes communautés qui sont un peu dans des milieux un peu reculés. Et c'est ça, en fait.